Hello à tous et bienvenue dans ce nouveau tuto. Aujourd'hui, nous allons apprendre ensemble à bien nettoyer cette machine à soupe. Attention, il y a quelques règles à respecter pour ne pas l'abîmer. Votre machine à soupe est composée de deux parties et ces deux parties comportent des éléments électriques, donc vous ne pourrez pas les immerger dans l'eau. Pour le nettoyage, vous aurez donc besoin d'une éponge non abrasive, d'un chiffon sec, de vinaigre blanc ou d'acide citrique, du savon ou du liquide vaisselle. Allez, le temps pour vous de vous abonner et je vous partage mes astuces. On commence par nettoyer le bol et pour cela, je vous conseille de mettre 10 cl de vinaigre blanc ou 2 cuillères à soupe d'acide citrique, de compléter le tout avec de l'eau chaude jusqu'au niveau max et de laisser reposer pendant une heure. Une fois l'heure passée, videz-le puis rincez-le bien à l'eau claire. Et puis passer une petite éponge non abrasive dessus pour retirer les éventuels résidus. Pour la partie supérieure et l'extérieur du bol, je vous conseille de prendre un petit peu de savon ou de liquide vaisselle avec une éponge humide. Vous nettoyez jusqu'à obtenir une propreté éclatante et vous essuyez le tout avec un chiffon sec. Faites attention tout de même quand vous nettoyez la lame à ne pas vous couper, ce serait dommage. Voilà, après cela, vous devriez retrouver tout l'éclat de votre machine à soupe. Il est temps pour moi de vous dire au revoir, mais avant ça, on n'oublie pas de s'abonner, d'activer les notifications et de liker. Et moi, je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Bye bye !